Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors dans cette vidéo on va faire un déballage. Voilà. Donc c'est un déballage unboxing. Et du coup on va commencer tout de suite. Donc à toutes. Alors c'est le boss, on va l'ouvrir. Donc déjà vous pouvez savoir si c'est une batterie ou une pile, donc je sais pas si c'est une bonne idée d'y ouvrir avec un couteau. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ça va, trouve un choix. Ah là là, il y a vraiment un sens, l'étiquette là. Faire de la charcuterie. Voilà. C'est quoi ça? Ça me perd, c'est vrai. Voilà. Alors, salut, voilà, simplement, on va tout de suite l'ouvrir. Alors, c'est de la marque Bernet. Donc, B-E-R-N-E-T. Donc, le produit sera en description. Il me semble qu'il m'a coûté 35 euros. Donc, je l'achète sur Amazon. Et on va tout de suite l'ouvrir. C'est joli, c'est très très joli. Alors, avant de passer au meilleur, le moins bien pour le début et le meilleur pour la fin. Voilà. Donc là, on a le petit manuel. Voilà. C'est littéralement un plan de construction d'une maison. Là, on a une petite éolienne. Non, c'est un ventilateur, il me semble. J'ai bien lu, c'est un ventilateur. Poussière. Là, c'est le câble. Donc, c'est un câble micro... Non, oui, c'est micro USB. Vers USB pour recharger la chose. Alors c'est une batterie de... C'est une power bank, donc une batterie externe. Alors comme vous pouvez le voir, sa caractéristique, elle est solaire. J'essaierai ça. Alors on peut y charger... Ah, il y a de la poussière, des trucs. Bon. C'est un morceau de carton. Non mais sérieux. C'est chiant. Là, voilà. De la colle évidemment. Alors, alors c'est un panneau solaire là. On peut y charger en USB, en micro USB et en Lightning. Donc ça c'est cool pour ceux qui sont sous Apple comme moi, parce qu'on n'a pas toujours un câble comme ça. Ou si on veut prendre de moins en moins de câbles, là on peut. Là on a trois ports USB. USB techniquement de l'USB tout simplement. Peut-être que c'est du 3.0, ça m'étonne. Capacité 24 000 mAh, 3,7 volts, output DC 5 volts, 2,1 max à max output. Oui, bon, c'est plein de trucs. C'est chinois, on le sent bien. On peut écouter un petit bruit. On va essayer le petit ventilateur. Ça marche. Si vous y voyez, mais ça marche. Ça coupe ou ça fait mal? Ça fait quand même mal au papier. Hein. Je pense à ça. Ah, c'est bien parce que vraiment, je sais pas quand je serai dans un endroit très chaud. Eh ben, ça sera cool. Comme ça. Il y a des trucs qui existent pour les téléphones. Mais moi, j'en ai pas. Je m'en fous, ça ne servira à rien. Alors, tout simplement, c'est déjà à la fin pour une batterie de secours. Parce qu'en fait, on avait déjà une autre, mais elle se chargeait plus à 100%, elle se chargeait à 75%, donc c'était un petit peu chiant. Du coup, vu que maintenant j'ai un autre sac, donc un autre sac qui n'est pas photo, c'est un sac que je prends un petit peu dans la vie de tous les jours, et du coup, je vais mettre l'autre batterie, donc pas celle-ci, mais l'autre, celle qui m'en dommage, dans l'autre. Puis comme ça, ça sera cool. Voilà. Allez, moi je suis un... Oh merde! Ah, on pourrait faire des pranks avec ça. Non, je rigole. C'est tout. Donc là, alors là, il y a une diode pour dire si ça commence à charger. Là, je sais pas du coup. Ah. Donc ça, j'ai acheté sur Amazon et j'ai rien. Alors, il y avait en jaune. Et en noir, moi j'ai choisi en rouge et noir. Parce que je trouve que c'est... Et franchement, moi ce qui me manquait le plus, déjà c'est qu'on puisse, ça c'est cool, c'est très très cool. Déjà on peut y charger en lightning, ce qui n'est pas le cas du tout. On peut
Il chargeait avec les panneaux solaires. Peut-être que ça marche, je sais pas. D'ailleurs, j'ai essayé de voir en combien de temps ça se vide totalement. Bon. Il me semble qu'il y a, je sais pas, il me semble qu'il y a 500 cycles. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Combien il y a de cycles ? Pour l'instant, je m'apprête. Attendez. Alors, il y a... Au bureau, c'est bien ça. Tac. Non, arrête de vibrer. Voilà. C'est chiant. Alors, Chrome. Attendez 2 secondes. La batterie tout court, ok, d'accord. Attendez 2 secondes. Ah non, il est 30 francs 90. 30,90 €. Je sais pas d'ailleurs combien je l'ai payé. Attendez 2 secondes. 2 petites secondes. Une charge complète pour 9 jours d'utilisation. Ok, oui, je te le dis. Attendez. Non, c'est marqué le nombre de cycles sur ces produits-là. Attendez. Non, c'est marqué 500 cycles de charge et protégé par des protections contre les surcharges. C'est bien ça. Dernier, donc ça, c'est vraiment cool. Parce qu'au début, je cherchais une batterie de secours qui aurait à peu près dans les 30 000 mAh. J'en ai trouvé une, c'était totalement de l'arnaque. Celle-ci, non. Ah, c'est quand même chaud, ouais. Je me demande. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Non, alors, on va peut-être, je pense, pas se quitter là, mais on va se quitter dans quelques secondes, 2 minutes. Donc, à toutes. On se revoit après cette transition. Non, je rigole, à toutes. Gros salut, bah, c'est vraiment... Quitter et là je sens qu'il y a une impertinente. Maintenant il y a une vraiment. Alors, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Donc, ce que j'aimerais bien. Attends. Déjà, vous pouvez aller voir mon compte Instagram. Mon compte Instagram Lightech. Le compte Instagram de mon petit robot Cosmo. Où il a son propre compte. Une photo par jour normalement. Hein. Moi, ça peut nettoyer les objectifs. Oui, je suis toujours en train de faire du choix avec ça. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. Ça me ferait super plaisir. Et du coup, on se retrouve à la prochaine fois. Du coup, salut!